Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous présente ce petit porte-clés Mystère qui sera très rapide et très facile à faire. Pour ce faire, je vais avoir besoin de fil vert que j'ai trouvé à Action, taille 3, de fil marron chez Lydia Crochet de taille 3 aussi, de fil violet que j'avais reçu en cadeau. Mais vous en retrouverez très facilement chez Lydia Crochet. Deux fils rouges que j'ai trouvés chez Action. Une paire de ciseaux, deux ouates, des petits pins pour pouvoir accrocher les petites feuilles pour les coudre. Une aiguille et un crochet de taille 2,5. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors, je vais commencer par prendre mon fil violet et je vais faire un cercle magique. Je prends, je tourne. Et je vais chercher mon fil. Et hop, je passe dans ma boucle. De là, je vais faire 6 mailles serrées dans ma boucle. Une. Et 6. Je commence à fermer un peu mon cercle. Et là, sur tout le rang, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. De là, je referme un peu mon cercle. Voilà. Et là, tout ce rang, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation tout du long. Là, tout de suite, maintenant, j'en ai 12. Et donc, à la fin de mon rang d'une maille serrée, une augmentation, j'en aurai 18. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et je fais ça tout le long. Voilà, donc là j'ai terminé mon tour, j'ai 18 mailles. Là, ce que je vais faire sur tout ce rang, c'est 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour, ce qui me fera 24 mailles serrées. Donc une, deux, une augmentation, une, deux. Une augmentation et ce sur tout le tour et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai mes 24 mailles serrées. Là, ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées, une, deux, trois et une augmentation sur tout le rang. Une, deux, trois. Et une augmentation. Et je fais ça sur tout mon rang. Je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai du coup 30 mailles. Et là, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. Une, 4 et une augmentation. Et je fais ça sur tout le rang. Une, quatre, une augmentation. Une fois que j'aurai fini tout ce rang, j'aurai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là, j'ai mes 36 mailles. Là, ce que je vais faire, et ce,
pendant 6 rangs, c'est tout le tour en mailles serrées. Donc 36 mailles serrées. Et je fais ça sur 6 rangs. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai fini mes 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire pour ce rang-ci, c'est faire 4 mailles serrées, une diminution. Une. 3, 4 et une diminution. Et je vais faire ça sur tout le rang. 4 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce tour, j'aurai 30 mailles serrées. Le tour suivant, je ferai 3 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. Et à ce moment-là, j'obtiendrai 24 mailles serrées. Et là, on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, donc j'ai mes 24 mailles. Ce que je vais faire pour ce rang-ci, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution pendant tout ce rang. 2 mailles serrées, une diminution tout du tour. Et on se retrouve après. Voilà, donc là, j'ai en total 18 mailles. Donc, vous voyez que j'ai commencé à ouater. Donc, ces 18 mailles, pardon, je vais les faire avec une maille serrée et une diminution. Et je vais faire ça tout le tour. À la fin de ce rang, j'aurai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là, j'ai mes 12 mailles serrées. Et ce que l'on va faire, c'est bien le ouater. Alors, pour le ouater, là, je vais utiliser un ciseau parce que l'embout est un peu plus petit. Voilà, comme ceci. Je vais bien le ouater. Et on se retrouve une fois que je l'aurai bien ouaté. Voilà, maintenant que je l'ai ouaté, ce que je vais venir faire, c'est 6 diminutions. C'est-à-dire que tout ce rang va être avec que des diminutions. Une. De là, il devrait vous rester 6 mailles. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Je garde la longueur. Enfin, vous n'êtes pas obligé de garder autant de fil. Voilà, alors le temps d'attraper une aiguille et je reviens. Voilà, donc j'ai mon aiguille. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est passer sur mon premier brin ici. Récupère le deuxième, je passe mon fil, pareil ici, je prends mon brin, le deuxième, je passe mon fil, et voilà, j'ai fini le tour. Donc je suis passée dans les 6 brins, et de là, je n'ai plus qu'à tirer. Je fais un nœud.
vous voyez, des fois, ça fait des nœuds pas très jolis. Ah, c'est pas grave. Là, je vais passer dessus. Et je vais rentrer dedans. Voilà. Et après, je coupe mon fil. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris trop de fil. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir pour faire le pied. Donc là, on va venir faire les pieds du misterbe. Pour ce faire, on va venir faire des mailles chaînettes. Et donc, je vais commencer comme pour faire un cercle magique. Voilà. Je récupère mon fil. Et là, à la place de venir faire une petite maille en l'air sur cette petite boucle, je vais juste hop, coulisser et resserrer. De là, je vais faire 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, ce que l'on va venir faire, c'est des mailles serrées tout du long de cette maille chaînette. Donc là, j'attrape mon premier brin, une maille serrée, le deuxième brin, deux mailles serrées, j'attrape le troisième brin, et ce tout du long. C'est-à-dire que je vais faire mes mailles serrées sur tous les brins de ce côté-là. Et ensuite, je vais venir faire des mailles serrées sur tout ce côté-ci aussi. Et de là, on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé tout mon tour de mailles serrées. Et maintenant, j'ai 14 mailles. Alors, ce que l'on va venir faire pour ce tour-ci, c'est là, ici, une maille serrée. Et je vais venir mettre mon marqueur. Et continuer en maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles serrées et là je vais faire une augmentation, 1, 2 et ici une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 6 mailles serrées et ici une augmentation. Voilà. Vous devriez avoir en tout 16 mailles serrées. Alors, maintenant, ce que l'on va venir faire pour ce tour-ci, c'est attraper notre brin avant, ici, et je vais venir faire tout le tour en mailles serrées que sur ce brin. Tout le tour que sur le brin avant. Donc 16 mailles serrées que sur le brin avant. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Ce que ça donne, j'ai fait tout mon tour en mailles serrées que sur le brin avant. Et là, ce que je vais venir faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper mon fil. Voilà. Et là, on va pouvoir venir le coudre en dessous avec l'autre petit pied que j'ai fait, vous voyez.
Vraiment, ils seront cousus l'un à côté de l'autre. Vraiment à la base du milieu. Parce que, en fait, j'ai démarré ma couture, le bord du pied ici, vraiment au milieu. Et donc, j'ai cousu tout du long, comme ceci. Puis, je suis revenue. Et là, vous voyez, le deuxième pied sera cousu juste à côté. Alors, maintenant, on va faire les feuilles qu'il y a sur le misterbe. Alors, en tout, il y en aura 5. Pour ce faire, je vais faire une maille chaînette. Donc, hop, je récupère mon fil. Voilà. Je vais faire en tout 9 mailles chaînettes. Une. 9. De là, ici maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 2 demi-brides, c'est-à-dire que là, mon fil, je le passe au-dessus du crochet. Je prends mon fil et je passe dans le tout. Une deuxième demi-bride. Et là, vous voyez, il me reste 3 brins à passer et je vais les faire en bride. Mais je vais les faire toutes en augmentation. C'est-à-dire que là, je passe mon fil. Je le récupère. Et voilà une bride. Je la fais en augmentation. Deux brides. Je vais dans ma proche, dans mon prochain brin, pardon. Hop. Je fais une bride. Et une deuxième bride. Et la dernière, je vais faire pareil, sauf que je vais faire 4 brides dans celle-ci. Une, et 2, 4. Maintenant, vous voyez, on est de l'autre côté. Et là, je vais rattraper mon bras suivant qui est ici et je vais faire 2 brides dans celle-ci. Une, deux, dans le brin suivant, je recommence, je refais 2 brides, une et de 2. Et maintenant, dans les deux brides suivants, je vais faire une demi-bride. Je prends mon brin, je fais une demi-bride. Je vais dans le brin suivant, je refais une demi-bride. Et là, les 3 mailles qui vont me rester, je vais les faire en mailles serrées. Une, deux et 3. Vous voyez, là, j'ai fini mon tour. Et ce que je vais venir faire, c'est dans la maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air, et je vais venir couper mon fil. Alors, ces feuilles, je vais venir les faire 5 fois en tout. Vous voyez, là, j'en ai fait 3. Il me manque encore 2.
Une fois que vous aurez laissé une feuille, on se retrouve à ce moment-là pour la couture. Alors, j'ai terminé mes petites feuilles. Alors, vous voyez ici, sur les quatre, j'ai caché mes fils. Alors, ce que l'on va venir faire, c'est prendre ceux qui n'ont pas de fil et venir les placer avec des petits pins. Celui-ci, je le place là. Là. Celui-là va ici. Hop. Vous voyez, avec le petit pins, j'essaie de les placer à peu près au milieu. J'en ai deux qui vont à l'arrière. Éviter d'avoir trop de pins. Hop. Je réutilise le deuxième. Et là, celui-là, vous voyez, j'ai gardé mon fil et je l'ai fait passer à l'arrière. Celui-là, il va passer tout à l'avant. Comme ceci. Hop, je le fais passer un petit peu en dessous ici. Hop, pour qu'il vienne se recouvrir. Et voilà. De là, je vais prendre mon fil, mon aiguille, et je vais faire en sorte de passer dans chacune des feuilles pour venir bien les coudre, bien les placer. Vous voyez. Voilà. Donc, je vais faire toute ma couture, et puis je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes coutures. Je suis venue faire du coup le visage en broderie. J'ai pris mon fil rouge, j'ai fait 3 allers-retours pour faire la taille des yeux. Et je lui ai fait un petit sourire avec le fil noir. Voilà, donc notre petit mystère est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Mettre la petite cloche pour être prévenu quand une vidéo sort. Et regarder sur mon Instagram pour voir les créations que je fais et être prévenu des prochaines vidéos qui sera postées sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.